On va se reculer un petit peu parce que quand je disais qu'il y a du Philips partout, si tu veux te positionner là, non, pour nous montrer ce que tu as à nous montrer de ce côté-là, là, on arrive à quoi comme produit ? Alors là, on va être sur du tactile capacitif. Donc là, on est toujours aussi, on peut l'utiliser sur la partie affichage dynamique, mais également sur la partie wayfinding. Donc on est toujours dans le coworking, la salle de réunion, etc. Puisque avec des solutions embarquées, faut savoir que nous, dans nos écrans, on embarque un Android qui permet de venir intégrer une solution tierce. D'affichage dynamique, de visio, etc. Et donc là, avec ce type de produit, vous allez pouvoir vous orienter dans le bâtiment. Et ensuite, on a juste en dessous un 10 pouces qui, lui, vient à l'intérieur à l'extérieur de la salle de réunion, justement, qui va toujours sous Android venir accueillir une solution tierce de réservation de salle de réunion qui va vous permettre de gérer tous vos espaces. Le marché, tu me disais, Fabrice, hyper dynamique. Oui, très dynamique, une multitude de projets alors qui mettent un peu de temps à aboutir, mais bon, il y a quand même pas mal de ce projet qui sort sur la partie affichage dynamique pour tout ce qui est logistique, GSA, GSS, en fait des activités qui n'ont pas trop subi de problèmes durant la période Covid, hein, bien au contraire, hein, c'est des sociétés qui se portent plutôt bien, et puis aussi le développement important de la salle de réunion avec la visio, le coworking, etc., qui est en train d'exploser sur le marché. Qu'est-ce qu'on voit pour la suite ? C'est trop tôt pour enclencher autre chose ou... La suite, hein, c'est des projets plus importants encore, hein, puisque vraiment en France, on commence à vraiment remplacer le papier par de l'écran. Donc ça c'est une vraie bonne chose. Donc ça laisse augurer encore des bonnes années de nous et on continue bien sûr à se développer et surtout à apporter de la solution, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a une multitude de marques sur le marché, mais c'est vraiment l'écosystème qu'on va ramener autour de nos écrans avec les solutions embarquées qui vont faire la vraie valeur ajoutée de l'écran. Voilà, la solution globale. Hein. Et d'ailleurs, c'était un des objectifs de la journée, c'était de vous faire rencontrer tous les partenaires, les fournisseurs, les uns avec les autres, et montrer que vous savez tous bosser ensemble pour offrir des solutions globales.